Comme tu as pu le voir quand j'ai déplacé le camping-car, j'ai déjà commencé par peindre le côté là. Donc, j'ai fait ce côté là, j'ai fait l'arrière aussi. Donc là c'est un, je sais, c'est un gris quartz, donc c'est une tintrale. C'est pas la même couleur que d'origine, mais je trouve sympa. Donc voilà, j'ai refait l'arrière, j'ai repeint aussi le haut. C'est de la peinture satinée par contre. Je voulais pas une peinture trop brillante sur un camping-car qui a déjà une trentaine d'années, bientôt 30 ans. Et j'en ai profité pour redéplacer le petit signe. Non, je vois pas si on voit très bien, mais le signe Heimer qui était là, je l'ai redéplacé ici. Donc voilà, je trouve que ça rend pas mal quand même. Hop. Et puis j'en ai profité pour refaire la calandre. Donc la calandre elle est couleur grise aussi. Et logiquement je refais le capot par choc, le haut. Donc là j'enlève tous les autocollants et par la suite je remettrai les autocollants tout neuf. Et donc et là il reste plus que ce côté là. Donc là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tout masquer, scotcher, masquer. Donc j'en ai à peu près pour 2h30, c'est le temps que j'ai mis l'autre côté pour le faire. 2h30 pour masquer, une demi-heure pour peindre à peu près. Et puis bah, 20 minutes pour démasquer quoi, la partie la plus plaisante du travail. Il est 16h24. Allez, go. Là je te fais voir vite fait les scotchs que j'utilise. Là j'ai un petit scotch qui fait 9 mm. 9 mm lui il va ici pour faire une petite ligne. Après j'ai un autre scotch un peu plus large. Je sais pas si tu le vois là. Et puis encore un autre un peu plus large. Donc ça par contre ça vient de chez Action, ça coûte vraiment pas cher. Puis ça fait vraiment le boulot. Après j'en ai encore un autre, ça c'est pour venir coller ma feuille craft un peu partout. Et puis j'utilise les rouleaux craft comme ça. Tac, comme ça. Pour masquer le haut, masquer en bas. Et puis bah moi je dis c'est parti mon kiki. Bon, je tiens le bon bout. Il me reste encore le haut à faire. Le bas, on remet un peu. Mais le problème, c'est qu'il me manque du scotch. Il va falloir que j'aille acheter du scotch. Bon, on va chercher ça. À moitié miro. Ah ah, je crois que je l'ai chopé. Dis-moi ça, la quantité de joints qu'ils ont été mettre. Travail de cochon pour être poli. Même sur la baguette là, tu te rends compte toi? On a ça. C'est là, c'est la Mimi à enlever. Bon allez, je m'occupe de ça. Et puis, on continue de cacher. On continue le scotchage. Appétit.
s'écrire Joyeux Noël là maintenant. Allez, on est tout fini. Là, ça fait. Il est 19h36. J'ai commencé, il était 16h24. 16h30. Faut être patient. On va faire un petit coup de ponçage, comme ça on va revenir. C'est vraiment pour nettoyer. Je fais ça à l'éponge abrasif. Bon, on va préparer la peinture. On va pas perrier. Hein. Pour la peinture, j'utilise un petit godet mesureur. Sachant que la peinture, ça se dilue à 3,5. Donc ici, je sais pas si tu vas le voir. 3,2. Et c'est pas 3,5, c'est 3 pour 1. La peinture se dilue à 3 pour 1. Tac, un tournevis, il est là, il tient l'appareil photo. Fais ça. Un petit coup de durcisseur. Je vais tourner un peu. C'est parti mon kiki hein. Il reste de la batterie, c'est bon. Tu vois quand je te dis que c'est plus long à cacher qu'à peindre. Là, je remets une autre petite couche. Je sais pas si tu vois, mais il est 20h25. Je viens juste de finir de peindre. Quand tu commences des choses comme ça, il faut que tu aies le temps de finir. Faut pas commencer un après-midi, finir le lendemain. C'est même pas le temps. Bon, on va aller nettoyer tout ça maintenant.
la chose la plus plaisante.